Et Mick Schumacher qui voit son premier baquet Mercedes moulé officiellement. Incroyable. Je suis ravi de faire partie de l'équipe Mercedes en tant que pilote de réserve pour 2023. Je m'engage à tout donner pour contribuer à leur performance dans cet environnement très compétitif et professionnel. Je prends ça comme un nouveau départ. Je suis simplement excité et reconnaissant envers Toto et toutes les personnes impliquées de m'avoir fait confiance. La F1 est un monde tellement fascinant. On n'arrête jamais d'apprendre. Alors j'ai hâte d'absorber plus de connaissances et de mettre tous mes efforts au profit de l'équipe Mercedes. Il espère évidemment pouvoir revenir sur la grille en 2023. Ça va pas être simple. Donc voilà, il a moulé son baquet au cas où il faudrait qu'il remplace Hamilton ou Russell. D'ailleurs, je sais pas s'ils vont lui faire faire des essais Pirelli, peut-être. Après tout, Red Bull va bien faire faire des essais Pirelli à Ricciardo. Donc pourquoi pas Mick, oui, aussi, qui pourrait rouler dans la Mercedes pour ce genre d'essai-là. Bon, par contre, pour les essais d'intersaison, enfin, les essais privés à Bahreïn, ce sera les deux titulaires, hein, évidemment. Il n'y aura pas de place pour Mick à ce moment-là. Et c'est bien normal, tout comme il n'y aura pas de place pour Ricciardo chez Red Bull. Bon allez, on verra bien, je vais se commenter.